Yop les tryhards, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Vanguard et aujourd'hui on se retrouve concernant le patch de la STG44 et je vais mettre vraiment le patch entre guillemets. Alors pourquoi je mets un patch entre guillemets? Est-ce qu'elle a été nerf? En vérité, oui et non. Tout simplement parce que c'est l'atout vital qui a été nerf sur Call of Duty Vanguard et c'est justement ça qui permettait de mettre des deux balles avec la type 100 ou de mettre des deux balles avec la STG44 parce que c'était clairement surpuissant. Mais depuis, est-ce que la STG44 a réellement été nerf? En vérité, absolument pas, l'arme est toujours aussi surpuissante, mais en réalité, tu mets quand même plus de balles qu'avant. C'est toujours aussi surpuissant l'atout vital et très clairement sur la type 100, c'est ça qui fait clairement toute la différence avec le deuxième chargeur, mais vu qu'on va parler de la STG44, restons sur la STG44. C'est très clairement cet atout-là qui fait toute la différence avec la STG44 et qui fait en sorte que tu puisses enchaîner très rapidement et que tu puisses tuer en très peu de balles. D'ailleurs, en termes de gameplay, je vais vous proposer un plus de 127 kills plus nucléaire en 2 minutes avec la STG44. Ça doit être une de mes nucléaires les plus rapides sur le jeu, et je dis bien une de mes nucléaires, parce que pour ceux qui me suivent aujourd'hui sur Twitch, j'avais réalisé une nucléaire en 87 secondes. Ouais, 87 secondes à la MP40. Mais avant d'attaquer la best class setup, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, on est bientôt aux 200 000 abonnés sous YouTube. De lâcher un gros pouce bleu, tu connais, les 1000 likes en moins de 24 heures, ça prend quelques secondes. Tu lâches un gros pouce bleu, vidéo de Locked, pouce bleu. Pouce bleu direct. Les 1000 likes en moins de 24 heures, ça me fera extrêmement plaisir. En plus, on est là pour un 127 kills. Nucléaire Express, V2, tout ça réalisé en live. Un maximum de likes, les frérots. Pour ce qui est de la best class setup au niveau de la STG, je vais parler juste d'une petite chose. J'ai décidé de mettre le silencieux mercure que vous pouvez éventuellement changer avec le stabilisateur F8, évidemment. Au niveau du canon, on se retrouve de nouveau pour le deuxième canon. Le déflecteur ardoise, tu connais. L'avant-dernière crosse qui est le plus important. Vital, justement, qui est l'atout qui fait toute la différence. Chargé à bloc. Le poignet en cuir pour avoir une visée accélérée supplémentaire. Le chargeur 20 balles que vous pouvez changer avec le dernier qui est le 30, évidemment. Mais personnellement, je préfère très clairement le deuxième qui est beaucoup plus intéressant, le subsonique. Et pour terminer, la M1930 en poignet, qui est très intéressant au niveau justement de la précision et de la stabilité de visée, pour moi qui est très clairement la meilleure classe STG44. Ah, c'est ah oui, là tu sors pas trop... voilà quoi... C'est pas trop présent... Mais, comment ça peut spawn là, putain? Alors, par le théorème de Pythagore... On y file, le théorème de Pythagore est présent dans la théorie des spawns. La théorie du genre, la théorie. Les adversaires veulent pas le prendre un peu C là? Ah bah non, nos alliés sont en train de défendre C comme si c'était leur daronne. Derrière toi, ça spawn n'importe où, c'est horrible. Par contre, sans déconner, le nerf STG, je le ressens. Il y en a un. Bah oui, il y en a un. C'est vital, ça fait nerf. Ouais. Y'a que ça en fait. Bah l'arme en MM qui a été nerf. Tu mets une balle de plus avec chaque arme normalement. Ouh. Ouais. Bon, ça va passer. Fuck a punch 2. Oula. Quoi? Terre. Maman, en face, t'as dit un robot. Ouf. Ouais, d'accord. Sanguinaire. Élimination furieuse. Tueur fou. Quoi? Par contre, tu sais, j'ai regardé un live là de Halo. La voix là qui annonce les trucs, elle est horrible. Ils ont voulu faire comme... À gauche, unité, hein. On a deux à gauche. 3. Allez, va te faire foutre avec ton sniper. Wouh! Yankee with no grip! Non mais bouge l'allié, t'sais. Non mais mes alliés, vous déconnez aussi. Mais arrêtez là! Tu connais la sapo, lui. Oh l'allié, j'ai envie de t'insulter. Mais non, ça sera pas le... Peux-tu nous dire comment tu les as débloqués? Non, il a campé au top. Ah bah déjà top. Oh la balance. Ah, la balance, comment il a balancé son camarade là. Oh là là. Putain, mon camarade. Oh, c'est pas son camarade.
Non mais il balance parce que t'es dans le temps par rapport au jeu, c'est ça? Oh le bâtard, t'es RP genre là. Qu'on fasse, il est riche. Il est jaune. Si seulement j'ai regardé. Il a un long nez là. Quoi? Comment j'arrive à crever, sérieux? Mais oh, mais il y a trois personnes dessus. Oh. Bah c'est l'époque hein. C'est moi, oh, vous cassez les couilles des alliés, vraiment sans déconner hein. Allez vous faire enculer. Ouais, venez, tu casses les couilles. J'ai un chien. Oh là là, comment je casse les couilles. J'ai juste seul malin mental qui joue pas STG là en plus. Joue STG là. Qui? J'ai joué STG. Ouais, bah c'est ce que ça confirme parce que lui, le seul malin mental a pas joué STG. Ok, la tête de sa voix. Youpi, j'ai pris A. Comment je suis trop fort. Et B, 2 balles de pompe améliorées pour ça. Et B, il a été nerf. C'est pas dans la bonne catégorie. C'est lui, tu fais l'humour. Fils de pute. On rentre pas lui comme ça, Hassan. Ouh, niveau 30. Alors comme ça. Vraiment, vous servez à rien, sans déconner, c'est terrifiant. Mais non, il y a Platinium en face. Fusée V2. Mais non, il y a fusée V2. Je sais pas pourquoi, mais je pense savoir comment il l'a développé. Non, non, je fais pas de frappe. Non, non. Tu vois, ça sera pas l'autre. Il m'a spawn dessus, hein. Au mi-2, le mi-2. Ah, ils sont horribles, hein. Ouais. Ta chrono, c'est t'as même pas de montre. Sur la droite. Ah c'est pour moi ça. En effet. Ça dégage. Bien joué. Mec, j'étais perspicace. Putain, en vrai de vrai ils jouent bien les mecs hein. En vrai de vrai hein. Il y en a un ou deux en gunfight, ils gèrent super bien. Yo. Ah, on va pas perdre du bon. Ah on nous allait gère pas du tout. Les bâtards. Culotté face rafale quand on est dernier de l'équipe. Ballon. On dit les termes ici, surtout qu'on se fait carry par un random. Moi je dis ça, je dis rien. Et je parle pas de The Carry. Quoi? The Carry. Non, carry, il me carry pas moi, désolé. Hein. Ouais, toi tu fais une trap ta gueule, toi. Non. Il est vieux, virulent, hein. Ah, ça va à gauche. Elle vole 326, putain, ça monte vite les niveaux. Mais non. Mais non. Comme si on avait un double XP, quoi. Mais il est insupportable ce que c'est pas quelqu'un qui veut mettre une muselière. Oh, oh le clébard. Oh là là, le clébard, waf waf. Waf waf waf. Fais waf. Tu dis voilà, c'est dit waf. Chut 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 chut. Derrière toi. Oh non. Ça. T'as derrière passe. Entre au Charlie. Je suis mouru. Attends, je suis à quelques pieds de tout avoir. Ah là il passe plus à droite. Ok, j'ai les chiens. Mais non, il veut absolument ma peau hein. Il a une peau d'ours. Ah il veut une peau. Putain, il y a Tony Montana en face, wesh, incroyable. Le vrai? Je crois que c'est le vrai hein. Gros, si je te dis qu'il me rush avec avec un bazooka là. Mais je te crois pas. Je crois pas, envoie photo. Et bah, pourtant, c'est la vérité. Vas-y, envoie. Envoie photo. Bah, je t'enverrai après. Envoie sexe 16-12-12. Oui. Bon, c'est des malades mentaux, hein, comment ça me craque. On va lui casser les coups, tu connais. Oh, merde. Ah, il m'a eu. Dommage. Dommage. Il joue bien l'autre, le Snake, il joue bien. Attrapez ça, jeune homme. Par contre, il faudrait quand même qu'on gagne et qu'on capture quand même B. J'ai
suis en série. Ah bon. Je donne une vis à... Ah y'en a deux. J'ai pris B. Ah ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça spawn sera. Ah je suis mort, pas bien. Pourquoi ça respawn sur A là? What the fuck? C'est vraiment une merde la vie. Ça tu le sais? Ah, il y en a un qui a spawn. Il y en a pas qu'un. Ouais, c'est ce que je suis en train de voir. Si, j'ai plus de balles. Mais. T'as un vu que ce pack-up en vrai? Putain, mon streak ultra cher là, il t'a servi à rien. GG. Ok. Oula, ça spawn. Un spawn assez virulent. Je balance le drone. Ça spawn sur A. J'ai les chiens. On perdra. On a perdu, hein, on va perdre la game. Non, t'inquiète. Ok, informateur locaux. C'est l'informateur fou quoi. Ils sont locaux. Oh, oh, quoi. C'est bien parce qu'au moins ils font durer la game, hein, vraiment. Arrête, arrête. Vas-y, putain, ils veulent m'en goûter. C'est bon, les lance. Waouh. Ah mais c'est vrai, mais t'avais la V2, mais je suis trop con. Ouais, ouais. Eh oui, petit. Ah bon. Putain, 120 kills, hein. Eh bien, presque la 100 kills avec une NZ. Par contre, c'est incroyable, on avait deux niveau 3 contre nous. Le Snail, c'était un des meilleurs et niveau 3. Ah, la game d'avant aussi. Bizarre. Victoire par missile V2. Ah ouais, ça dit ça. Et on termine sur un combien de kills? 127 kills. Magnifique.